Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro. Nous sommes toujours là, toujours un peu absents, mais toujours présents. Merci en tout cas à tous ceux qui sont encore en train de s'abonner sur cette chaîne. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous faire confiance. Nos abonnés augmentent de jour en jour. Je vais prochainement vous dire les nombres, mais ça ne me tente pas d'aller voir combien nous sommes à 1000, à 2000, à 3000, non. Quand je vois qu'il y a eu 20 personnes qui se sont abonnées, moi ça me fait plaisir. Et je dis vraiment, continuez à faire ça, parce que notre émission de plus en plus prend des ampleurs. Et je le remarque, quand je suis un peu absent, les appels que je reçois et les questions que je reçois dans mes emails et puis dans les Twitter et même à DM sur Instagram. Merci en tout cas pour cette marque de confiance que vous ne cessez de nous donner donc à notre égard. Merci beaucoup vraiment. Alors aujourd'hui, mes chers amis, l'actualité faisant dominant tout, nous n'allons pas nous tremper dans cette actualité, mais nous allons vous donner notre analyse. Parce que les questions que vous m'aviez envoyées sont des questions à me poser la question, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la République du Kivu est maintenant là? Parce que ce qui nous préoccupe ici, c'est l'intangibilité, la sécurité et l'application même de la Constitution, l'application de notre Constitution sur... sur l'ensemble du territoire, la sécurité, tout ça. Notre État existe-t-il? Est-ce que nous sommes dans un jungle? Est-ce que nous sommes en train de regarder? Ouais, nous allons tourner tout autour de la question de cette histoire qui est arrivée à Bukavu. Nous allons tourner encore une fois, nous allons parler un peu de l'état de siège qui malheureusement est en train de montrer ses limites, mais nous ne sommes pas encore en train de comprendre. Et puis le Parlement aussi, parce que la dictature, nous voyons comment est-ce que petit à petit, les gens se réveillent et un cran de la dictature s'avance. On commence à revoir les mêmes activités, le même système que nous avons déploré. Et tout le monde se pose la question, sommes-nous dans le changement? Est-ce que c'est Tshisekedi qui est à la tête de la... Félix qui est à la tête de notre pays? Qu'est-ce qui se passe finalement? Nous sommes... Dans une ambiance d'ambroglio, les grèves par-ci, par-là, tout le monde. Et puis, il y a des épreuves de force, de politique qui se battent. Et puis, qui est perdant sur le peuple? Bandekoza Mawa. Nous allons donc tourner autour de ces trois sujets. Donc, le site Kivu, ce qui se passait à Bukavu, l'état de siège et la dictature qui s'implante dans notre système actuel. Mais n'oubliez pas, toujours nous honorons notre point de vue qui reste égal, qui reste vraiment comme vérité, le passage obligé de là où nous devons passer. Sans cela, en tout cas, notre pays, nous sommes allés d'aller tout droit dans un mur. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet, et puis nous reviendrons tout de suite après pour essayer de parler de tous ces sujets que nous vous avions présentés. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Nord Kivu, tension à Kirumba suite à l'assassinat d'un motocycliste. Et puis Kisangani, le phare d'essai alerte sur la fuite d'un militaire. On va sur actualité.cd. RDC, début de procès de deux militants de la Lucha dénonçant des détournements d'aide. Et puis le parti de Fayulu exige des enquêtes pour élucider les circonstances du décès d'un militant tabassé lors du marché de 16 octobre à Kinshasa. Congo profond, Baudouin Mayo, je ne suis pas versatile en politique, mais fidèle à mes engagements. Et puis, cacophonie, ça c'est, comment on appelle, cacophonie, vous l'avez sur vos écrans. Et puis, exclu du FCC, Constant Moutamba prépare sa contre-attaque.
ça c'est Raymond Tshibanda. Et puis nous allons sur 7 sur 7, Kwilu, l'incendie du musée national de Gungu, plus de 25 000 œuvres d'art parties en fumée. Et puis à Foire des entrepreneurs, Bahati appelle à des conclusions innovatives pour l'accès au financement au PME. On termine par Radio Okapi. Tanganyika, le Mai Mai Napale exige 2 500 $ pour libérer leurs otages. 5 miliciens tués lors des combats avec l'armée à Bachou. Ça, c'est dans le Nord Kivu. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs. Likambo ya Bukavu. D'abord, je voudrais préciser une chose ici. Entre 1994 et 1996, donc le régime de Mobutu était arrivé à son apogée. Bandeko, nous ne pouvions pas absolument soupçonner qu'il pouvait y avoir une guerre venant à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que effectivement l'armée de Mobutu était forte. Mobutu Azala qui fort, entre 90 et 96, il matait toutes les rébellions. Il était prêt à mater. Donc, Yemoko Azako Loba et Kolo Nangai, donc Maël Nangana Tiakango, Naba Soda, Naba Béret Rouge, tout ça. L'armée congolaise était. Les phases étaient une armée forte. Bandeko, ce n'était pas une armée forte. C'était une coquille. Azala qui. Un lion en carton, donc elles ont rigide, c'était en carton, on ne pouvait pas s'imaginer. Et pourquoi j'en parle? Parce que moi-même qui ai traversé, en tout cas Nazala qui témoigne à Babilo Kwana na Bukavu, je commence un peu à voir que la même situation revienne. Tozo songa na katia système wana kaka. C'est-à-dire que nous pensons que ce que nous sommes en train de construire est durable. Président de la République a vu. Il est politiquement fort. Akoki Kolobabo est politiquement fort. Mais à l'intérieur, c'est une coquille vide. Il est mon quoi, Zakota, la lobby, mais. Basoda, Nabiso, Awa, Tozo, ça, la côté état de siège, on en a Kolobé, Lango, un peu plus tard, mais je vais illustrer ça comme ça. Parce que, dans l'état de siège, Zako produire l'eau comme mon côté. Tout ce que le président lance à Zakoloba, c'est comme si vous avez une foi sans acte. Regardez comment l'impréparation de cet état de siège est comme acquis. Donc, nous pouvons considérer ça comme une coquille vide. Toke na ba projet mususu o toza koloba. O etanani ba banani ba gratuité et enseignement. On proclame les histoires sans toutefois partir sur des bases qui peuvent nous dire que non. Toko tia yangoni ba fondation ezate. Donc, toza koko. Qu'on se fie de l'extérieur. Le Congolais maintenant se fie à l'extérieur. Babylon, qu'on a surtout là, t'ont réclamé. Ah, non, Congo n'a pas besoin de ma casse. Oh, faire des scènes n'a pas besoin de ma casse. Pourtant, nous n'y mettons pas le moyen, nous n'y mettons pas. Maïe, le tonobi, tout ça, la yango, boite, tout ça, la yango, boite. C'est ça qui manque. Regardez, lobby, awa, toke, koyamba, mokonzi. Pour quelle fin? Mokonzi a outi pas. Donc nous revenons à cette histoire-là du mobutisme. Et nous, moi, à moi de me poser la question, à la place du président de la République, Félix Tshisekedi, vraiment, Moutoussoukazana, vraiment, na idéologie, na bola mambo, kaza, osana moussala, kosala, vous allez vraiment accepter de challenger comme ça? Ça saute aux yeux. Et on s'est dit, c'est par là que je vous disais que non. C'est comme si le président de la République est entouré par des gens qui ne comprennent pas où est-ce que nous allons mener le pays. Comment est-ce que nous allons mener le pays? Pays n'a pas besoin de la calice sous terre na kolobakaka que non. Toko tia état de siège kuna pour ma kambo sali ya momoko. Bandeko, utilisons bongo na biso. Si nous devons voir, nous voulons que notre pays est au mouama, il faut tout tia maïele na biso. Pour la Koutia, qu'est-ce que nous devons faire effectivement? Toko sala yango ndenge nini poto longwa na mizozo oyo baloba na Swahili. Mizozo enye na tukam garambia. Tout ce qui est là ne marche pas. Bandeko,
à moins que les gens commencent à fermer les yeux, ou bien les journalistes qui vont se dire que non, il y a Alinghetti qui est en train de faire un bon travail. Le bon travail sur 1000, ce qu'on s'allie un, et qu'on s'allie l'autre côté. Visibilité à bon travail, on a un contexte, et qu'on s'imbatte dans un contexte. On a parlé des gens qui volaient Tango à Kabila, mais aujourd'hui même, Tilelo oyo na tango a Félix Tshisekedi bato ango lisusu bango na bazaka kana pouvoir ils ont compris que non tokoki ko banda ko sala jalelo to pousser mon konzi tokumisier entre-temps nous sommes en train de faire ba manœuvre na biso qui subira cette histoire ici il n'y a que le président de la République qui subira cette histoire à ko subir conséquence ya eloko bandeko. Likambo ya Bukavu, ah, tozolo bakeno, Bukavu, tout ça, ça c'est bêta maki, le gouverneur vient, il dit que non, calme Zali, far de sena biswe sala ki moussala. Bon, moi j'ai des vidéos ici, ya moutoumo kwa za ko explique nga lobi na ngai, papa Germain, écoute, omoni batwana bakangi, il n'y a pas de rebelles là-dedans. Il y a 10 personnes, oba garçon, oto yebi ke basimba ki na bango mindu ki wanate. Bandeko, ça c'est vraiment quelque chose de... Mais maintenant, le gouverneur veut embellir qu'il maîtrise la situation. La situation n'est pas maîtrisée. La situation n'est pas maîtrisée. On vit à Babilo Kwana Nyoso. On n'a pas encore identifié. Selon les générales là-bas, Azolo Bato identifié, Batouola, tout ça, nous sommes calmes, côté, tout ça. Calme, côté. Tozan à niveau Oyo, Mboka et Komina, quand il faut quelque chose. Donc, et là, comment est-ce qu'il faut déclencher? Il suffit d'une organisation, Oyaki, en 1996. Parce que c'était une armée soutenue, une armée Mokoya Malamu, c'était l'armée rwandaise, bien organisée, Babeta Kibiso. La même chose peut arriver aujourd'hui. C'est seulement le. Donc, tu as mis un niveau en Akeno. Bolandi Bino Moko, que tu habites à Bukavu, Bazozela, Bakomikolo, Batwana, ba libérateur. Malheureusement, Batwana, Bazala qui organisait, je ne sais pas, je ne peux pas. Dire que na yebinenge bazbayaki tout ça, mais nous avons constaté que non, ce n'était pas une guerre organisée comme celui de l'AFDEL, Oyaki, ils en a soutien, ils en a base arrière, ils en a biloko nyo surtout, bazoya comme un rouleau compresseur. Et là, quoi, on a des osans, ce qui est côté, et on a dit la même na matadi, population congolaise quoi accueillir Batwana, mais il faudrait qu'il soit organisé. Je ne dis pas. Que Batwana va okiko bande la même na par-ci par là. Non. La population, ce que je veux dire ici, que la population est comme une niveau moko oyo. Tozo zela, na yna koya ko libere biso. En oubliant que non. Ce qui te recourir, les sous na batou, nous sous à l'extérieur pour nous libérer, nous allons encore nous lier dans d'autres. Sur circuit oye ko bandela kakana netilikamwa after. Donc la libération du Congolais ne reste que dans le Congolais. Et moi ici je voudrais maintenant attirer l'attention du président de la République et à tous mes auditeurs na ba abonné na nga nyoso. Boye ba ke non. Nous les Congolais erreur na biso ezalaka mutu mususu ne mutu akoya ko sale la biso. Biso moko toko kwa kaya susute. Ne malheur na biso. C'est pour cela, nous les Congolais, nous allons toujours rester esclaves. Toko yon dima esclavage. Nous allons nous habituer dans cet esclavagisme à Koloba. Oh non, babilo ko zali bo. Mais si y a un courageux, on a pour organiser batou. Et puis y a un soutien, y a batou nyoso, y a ba Congolais. Nous ne voulons pas que. Token de Kozwa ba Ouganda ou bien ba Centrafricain ou quoi que ce soit, t'es.
histoire là est finie. Les Cambois, y'a pas RCD, Goma, y'a pas Nini, y'a aucun d'accord, y'a pas allié, y'a Rwandais, tout ça. Non, et si li. Parce que quand les Rwandais viendront, bah quoi y en a bah désidérata na bango et créer la kibisonini. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, et ça parce qu'il y a eu de l'alliance na batoyo ba bapaya. Mboka na biso c'est comme une bilinga bilinga. Et c'est là où je dis, il faudrait que le président de la République a comprendre yango sikoyo que na niveau haute ozali politique yango mte ko bomsa mboka na biso te. Mais il suffit des actions concrètes. Il y a co-responsabiliser population, il y a co-responsabilité, il y a ça le changement. Le Congo a besoin d'un changement. Changement y a biloko y a jale loyo. Tolingi biloko an a soute. Et ça pour avancer bison est loko mon côté. Boko chasser balobi bo ba corrupteur ba o ba ba corrompu. Les corrompus sont en train de naître dans l'union sacrée. Batu on va comprendre que non, ndende ngwana mokonzi pas si azui, asia il a mordi à la maison finalement. Tu sais qu'il y a qui cotonnette. Moi à sa place hier j'allais vraiment dire à Kabunde à tous ces gens de l'IDPS de ne pas faire ce qu'ils ont fait là-bas. Ça nous avance à quoi finalement? Tozo bunde la nini? Changement ya ngonde zala ki batu ba bimana balabala. Et pour batu ba bimina balabala. Ils ont ça la passe. Parce que oye na balabala tam souba pesa ki yo 500 francs ou bien baloba ki boy. Oh biso balouba tout ça. Tout ça c'est du tribalisme que nous on est en train de susciter, de réveiller sans le savoir. Toza ko se créer ba inimitié nyoso. Tozo luka solution globale te ya mboka na biso. Et c'est là le grand problème. Tant que nous ne cherchons pas la solution globale, ya koloba. Et l'autre place tozo kenenango eza malamu te. Nous devons changer la manière de voir les choses. Il y a qu'on changer ba biloko nyonso poto kende na eloko moko ya bien oyo ba tunyonso ba kozala conscient que non bandeko. O to sala ki ya kala ezala ki mabe esukisa ki biso mabe. C'est pour cela nous demandons qu'il y ait changement. Le changement c'est quoi? Le changement c'est le fait ya kotika ba mentalité wana ya kala to ya ko mbongo wana finalement to sa lelo komoko oyo biso nyoso eko inclure biso nyoso to za na besoin susute ya kokanisa ke oyo azando ki kongolais moko ndo azando ki o ba ennemi. Non, nous avons besoin de mettre tous les Congolais ensemble pour que ba sala musala to za la concentrer na musala au lieu que tous à la concentrer na ba poche na biso. Aujourd'hui le favoritisme batu o baza ko sala baza wana ba kanisi makambo akala. C'est comme cela qu'ils sont en train de faire renaître tout ce qui s'est passé dans le passé. Président fondateur o akala o azala ki bâtisseur o azala ki le meilleur président akobongisa ka mboka o te. On est en train de flouer le président. C'est ça qui a fait à ce que mboka na biso comme na niveau oyo. Bandeko, sur l'état de siège, nous avions donné des propositions. Qu'est-ce que le président ne veut pas? Donc, tous ont mis tout dans ce qui est président. Aza captif et abattu, moko boy, ou bien aza ko comprendre. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision. Yakobo Misamboka Oyo. La solution, le président actuel n'a pas de solution. Bandeko, attends au Bundi Naseni, attends au Sali Boy. Tant que les Congolais ne se mettra pas ensemble et regardant que non, qu'est-ce qu'il faut pour que Tosili Sambokna, Mizozo Nyoso et Amboka Nabiso, qu'est-ce qu'il nous faut? Et nous, là, ici à Contact Pro Live, nous avions jugé que Eloko Nyoso et Kosili Sambiloko Nyoso, et ça qu'on remettre le pouvoir dans le peuple. Il faut que Félix Tshisekedi a se dérobé dans la biloko et à l'obité. Ngamoko na kosala biloko yote ata ba million. Le Congo n'a pas besoin de millions d'argent. Bon, atosa le ba Congolais tosa na besoin mbongo te. Nous n'avons pas besoin de ces investisseurs. Nous avons besoin d'une accalmie, d'une cohésion nationale, d'une réconciliation nationale. Et c'est ce que nous sommes en train de prôner ici à Contact Pro Life. Il faudrait absolument que le peuple s'approprie des résolutions à Congo. La solution en effet où t'as un peuple, il faut que le peuple commence à réfléchir comment est-ce que nous pouvons commencer à travailler ensemble.
et qu'on a dans tout l'ensemble des territoires. Nous devons le faire par les états de lieux des territoires. Pourquoi les territoires? Laissez-moi expliquer, vous expliquer encore une fois de plus. Nous avons 145 territoires. Pourquoi les territoires? Parce que ce sont des entités que nous pouvons décentraliser et que le consensus est qu'on va partir à l'entité ou en a. Et nous sommes dans cette phase-là où si le président ne comprend pas et ne s'engage pas sur cette route-là, tout ça à sujet, il y a une rébellion, il y a un koyo kanate, Batouba Fingana, tribalisme, Kokota, Babylon, Konyo, surtout les Kokota, jusqu'à ce qu'un groupe de gens, ou bien quelque part, rébellion, et qu'on la supporter même, on ne sait pas. Les gens auront marre de ce qui est angolais, ce qui est banani, ce qui est sabiso. Et tant que la guerre est avec une armée, l'armée rwandaise nous avait prouvé. Une armée bien organisée a eu à l'hôpital de la ABCD. Basala qui, babandi côté à Bukavu, tire côté à Kinshasa. Et ils sont venus, tire les lots, si nous ne parvenons pas à nous désorganiser. Parce que ce sont eux qui en profitent, effectivement. Biloko nyoso wana nyoso kozonga na cycle wana. C'est pour cela que nous demandons au président de la République, il est grand temps de remettre le pouvoir dans les entités décentralisées comme le territoire. Babanda koyokana, totika ba influence au Kinshasa salabo. Remettons-nous à la tozonga neti balobana ba entraîneur, tozonga na training room. Par exemple, tozonga na training, blika moya kolobano mbongo koya, mbongo ne koya awa ekokota kaka na ba posho etoboka eloko moko osalemate. Le Congo n'a pas besoin d'argent. Le Congo a besoin de réfléchir, a besoin de mettre toutes les intelligences ensemble pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons sortir de la situation aujourd'hui. Comment est-ce que nous pouvons développer notre pays à partir de la base? Comment nous pouvons contrôler notre pays, notre économie à partir de la base? Comme ça, Mbambongo oye outi libanda, tango kozonga e kokote pa na biso e kosala musala. Mais na moment oye, Mbambongo oye zakoya e kosala musala te. Voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui, espérant que Tokoye Bisakali Soussoubino n'engue ni à Kosala lorsque donc le temps nous donnera. En tout cas, nous sommes très fiers de tous ceux qui sont en train de s'abonner. Nous sommes très fiers en tout cas de la réponse que nous sommes en train d'avoir lorsque les gens donc bazako répondre biso bino bobino moko bazako benga biso za wapi tout ça makambozo le kana tout ça. Non, nous sommes là, mais comme je vous disais, nous sommes en train aussi de donner le temps à un certain projet, à un projet que nous sommes en train de monter, qui, si Dieu le veut, vers le mois de mars avril de l'année prochaine sera monté beaucoup CP là. Merci beaucoup, on se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.